Le jet présidentiel vol 24 de l'Alliance Pacifique des Nations est prêt pour le décollage. Tour de contrôle d'Oslo, vol 24. Nous souhaitons à Monsieur le Président et à l'équipage un bon voyage. Merci beaucoup. Ici tour de contrôle. Voyez à l'envol. Hein? Le radar indique que le vol 24, l'appareil du président, perd de l'altitude. Quoi? Vol 24, ici la tour de contrôle. Vol 24, me recevez-vous? Tour de contrôle appelle vol 24, me recevez-vous? SOS, SOS, nous perdons de la puissance. Vol 24 appelle tour d'Oslo. Les contrôles sont brouillés. La radio ne fonctionne plus. Que se passe-t-il? Nous n'avons plus le contrôle de cet appareil. Comment? Mais que dites-vous? C'est insensé! Leur président est exactement là où je voulais. Les nations pacifiques ne sont pas prêtes d'oublier la petite leçon qui les attend. Plein gaz, Vanessa. Très bien. Ils vont avoir une petite idée de la puissance de notre électro-aimant. Oh, oh, c'est pas vrai. Nous avons perdu l'aile gauche de l'appareil. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est un cauchemar. Je ne peux pas croire ça. Et pourtant, Monsieur le Président, c'est la réalité. Et c'est qu'une petite démonstration de mon pouvoir. Qui êtes-vous? Un ami qui deviendra vite un ennemi si vous n'acceptez pas mes exigences. 25 millions de dollars en or à déposer immédiatement à une banque suisse. 25 millions? Et si nous ne les donnons pas? Le monde libre le paiera très cher. Et votre atterrissage ne se passera pas aussi facilement que celui-là. Oh, ah. Circuit un peu trop compliqué? Non, pas du tout. J'ai promis à Bruce, enfin, j'expérimente la nouvelle ligne de ses voitures de course, enfin celle qu'il a conçue. Mais ce que je n'ai pas dit à Bruce, c'est que Dusty m'a donné un bidon d'essence du super spécial course pour alimenter mes voitures. Ah, c'est pas à moi que tu mettrais du super, je suis toujours brimée, hein? Regarde! Réflexion faite, je suis pas sûre d'aimer l'essence. Et puis ça va trop vite, hein? Tu Bob! Arrête là! Mais et puis quoi encore? Fais-le toi-même, moi je suis fatiguée aujourd'hui. Flash spécial d'un... Enfin, regarde! Du Nord, les avions seraient attirés en vol par une force puissante inconnue. Oh, quel style, papa! Les terroristes qui revendiquent cette action menacent d'utiliser leurs armes contre tout pays qui ne satisferait pas leurs exigences. Et qui peut être capable d'utiliser un rayon antigravité à des fins terroristes? Papa, est-ce que je pourrais t'aider cette fois? S'il te plaît. S'il te plaît, papa, je peux? Je crois que tu as déjà fort à faire, fiston. Arrête cette voiture avant qu'elle ne casse quelque chose. D'accord, papa. T-Bob, dépêche-toi. Transforme-toi en scooter. Repasse l'enregistrement transmis par l'Alliance et analyse la voix du chef des terroristes. Prêt, Matt? Ce n'est qu'une petite démonstration de mon pouvoir. Programme en cours. Confirmation. Il s'agit de Mayhem appartenant à Venom. Ouais, super! Une mission se prépare! Mais pas pour toi, Scott. Ni pour moi, d'ailleurs. Le danger perturbe mes circuits. Je ne dois pas prendre de risques. Examen des dossiers de l'équipage. Il me faut les meilleurs agents pour cette mission. Personnel sélectionné, Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, nom de code, Rhino. Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino.
Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat, nom de code Firecracker. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de kung-fu. Et croyez-nous, ce n'est qu'un début. Regardez! Imaginez la force destructrice d'un fragment de cette comète qui tomberait sur la Terre à l'endroit que j'aurais choisi. Et il pourrait anéantir une ville entière, quel beau spectacle! Ces imbéciles paieront cher pour ne pas se trouver nez à nez avec ce roc. Ils paieront encore plus cher quand nous nous serons emparés du survolteur magnétique de l'armée. Notre électroaimant, devenu surpuissant, fera de cette comète l'arme la plus destructrice. Voilà, vous savez tout maintenant. Venom a le pouvoir de dominer toute la planète avec cette arme redoutable. Et à part nous, personne ne s'interpose entre ce monstre de Venom et le monde pacifique. Toutes les attaques ont été concentrées sur la mer du Nord. Tiens, tiens. Leur force de frappe doit être dans le coin. Eh bien, nous n'avons plus une seconde à perdre. C'est parti. Gloria, Hondo, examinez l'extérieur. Bruce et moi, on va voir à l'intérieur. Alex, branche-toi sur les radars de Rhino. Alex, tu as du nouveau ? Non, pas encore. Mais attends une seconde, Gloria. Ça y est, le système d'alarme est intercepté. Je cherche les fréquences radio de Venom. Appel de détresse, appel de détresse. Ici le commandant de l'unité Air Force des États-Unis, avion cargo D-21. Nous sommes attaqués. Notre émetteur est complètement brouillé. Je répète, nous sommes attaqués juste à la sortie de Bergen. Venom a saboté le message. C'est tout à fait son style. Bergen, c'est tout droit vers le nord. Eh bien les gars, allons leur faire une petite visite. Puissance supérieure. Ce survolteur magnétique va bientôt être à moi. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ras? Le système de défense automatique vient de se déclencher. Je vais voir ça de plus près. Eh les gars, on a de la visite. Masque, recevez-les comme vous savez le faire. Pendant ce temps, je m'occupe du survolteur. Oh ! Oh, regarde ! Oh ! Prends ça, petit bonhomme. Oh.
C'est pas passé loin, ça. Pointeur, feu! Récupère le module. L'objectif est atteint, on a le survolteur, on laisse tomber le reste. Ouais, tu peux arrêter l'électroaimant. Ça a marché, ouais. Il faut secourir l'avion. Et Venom, alors? On verra plus tard. Malchance s'en mêle, on n'a pas fini. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Regarde. Bullox, feu! Ah oh! Pat, ça se complique. C'est trop lourd pour Bullox. Ah! Bullox ne peut pas supporter la surcharge, l'avion glisse! Nous pouvons exploser d'une minute à l'autre! Hando, Gloria, faites sortir l'équipage! Utilisez l'issue de secours! L'issue de secours! Ça y est, c'est bon! Oh non, on s'enfonce! Travail. À toutes les personnes à bord. Évacuation immédiate. Boss. Merci. Ça va maintenant. Les Bullox ne fonctionnent plus. Tout le monde est sain et sauf. Mais ce maudit Venom court toujours. Et avec lui, l'arme redoutable. Matt! J'ai intercepté une transmission très importante qui va sûrement t'intéresser. J'ai fait une petite démonstration de mon pouvoir à l'Alliance des Pays Pacifiques. Malgré cela, elle refuse mes exigences, mais je n'ai qu'une parole. Et dans quelques heures, un fragment de la comète Van Alden détruira une grande ville. Van Alden est actuellement dans son orbite la plus proche de la Terre, mais aussi dans le champ du survolteur. Ils ont intérêt à accepter mes conditions. Sinon, ils vont payer le prix fort. Il nous reste très peu de temps pour retrouver Venom. Allez, en route. Entrons maintenant en liaison avec l'ordinateur. Papa va être content, T-Bob. C'est une réussite technique digne d'un grand. Quand on parle du loup. Scott, demande à l'ordinateur d'analyser un problème. D'accord, papa, c'est quoi? Et qu'il repère les endroits dans l'hémisphère nord où Venom pourrait le mieux approcher la comète. Ok, prêt à transmettre. Mont Helka, Islande, Örebro, Suède et les forêts de Bouke en Norvège. Analyse d'après nos données actuelles. L'endroit le plus favorable à Venom pour utiliser son électroaimant. La cible est la comète Van Alden dans une heure. Étant donné l'heure indiquée, la distance qui nous sépare de l'Islande est trop grande, l'aspect est trop éloigné sur le continent. Oh, mon Dieu! Il y a 99% de chances pour que l'installation de Venom soit en Norvège. À toutes les unités de masque, Venom est localisé. Transmettez les coordonnées à vos ordinateurs. Et c'est parti. C'est parfait. Vite, allons-y. Thank you.
Encore quelques menus détails à régler, et la comète Von Alden sera sous mon contrôle. Avec ce survolteur d'énergie, sa puissance va être terrible. Comment ces minables ont pu nous trouver? Masque! Arrêtez-les! Pas déjà, quand même. La petite fête ne fait que commencer. Ces crétins ne croient tout de même pas que je vais m'arrêter parce qu'ils sont là. Visez la comète! Feu! Flashor, feu! Ouah, il était beau. Tiens, voilà un petit truc pour calmer les esprits. Ah, mon masque! Pointor, feu! Waouh! Et... Attends, j'arrive! Plaisir de vous revoir, bande de minables. Allez, on part d'ici. Si moi, Mayenne, je n'ai pas le survolteur, personne d'autre ne l'aura. Un coup d'électroaimant pour diriger la comète juste à cet endroit. Bulox, feu! Gloria, vise le mieux possible, il faut arrêter ça. Sans problème. Je ne vais tout de même pas partir comme ça. Flashor, feu! Tu as gagné cette fois, Masque. Attends-toi une grosse surprise la prochaine fois. Venom, de toute façon, un jour, je t'aurai. Finalement, Firecracker n'est pas trop abîmé. Ça aurait pu être pire. Ne t'inquiète pas, Hondo. Bruce va se faire un plaisir de le réparer. Pendant ce temps-là, tu viendras voir mes nouvelles voitures. Elles sont super. Qu'est-ce que c'est que ces super voitures? Tiens, là, regarde ça. Aidez-moi. J'ai un peu modifié les plans de Bruce, mais le problème, papa, c'est que je ne sais vraiment, mais alors là, vraiment pas comment les arrêter. Hey, bonjour. Salut, Buddy, tu t'y connais en vélo? J'aimerais bien essayer de monter le mien. Les vélos sont des véhicules, tout comme T-Bob ou Firecracker. J'ai remarqué que lorsque tu suis Matt, tu roules en plein milieu de la route. Et alors, c'est pas ce qu'il faut faire? Eh bien non. Si tu roules dans le flot des voitures, tu risques de te faire renverser. Et je suppose que tu n'as pas envie d'être aplati comme une crêpe.